d'ailleurs, émergence. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce qu'on va dire, quand ça ne vous plaît pas, vous pouvez appeler au 00225 01 08 02 31. Et puis, dis à mon ami Tikenka, le pays va mal. Le pays va mal. Bon, je n'ai pas bien la qualité de la voix de Tikenja, mais pour dire à mon ami Tikenja, ah, le pays va mal, il faut venir parce qu'on va venir à la tête du pays. La dernière fois, on a parlé de la grève des militaires. Les militaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vraiment, ils ont grévé. Ils ont entièrement raison. Ils ont besoin de ce qui leur avait été promis. Et comme les différents chefs de corps n'ont pas eu le courage de dire exactement au chef de l'État la vérité, ils ont laissé pourrir la situation. Tout je dis au président de la République que tu travailles avec des mauvaises personnes. Le chef de l'État a des bonnes ambitions, mais n'a pas eu un bon coaching. Tout on lui parle, il ne comprend pas. Nous, on est en ville avec eux, on les voit, on les connaît. Ils sont tous là, imbibés de leurs personnes, partent dans les petits bureaux et ils ne font rien pour informer le chef de l'État. Ça, Dieu merci que le président de la République a décidé de donner cet argent, ils vont les payer. Bon, aujourd'hui, il faut dire que ça a vraiment terni l'image de Boaké, quoi. Et puis le président de la République a pris un coup. Oui, parce qu'il a pris un coup. Parce que j'étais à vous dire, vous qui grévez actuellement, vous qui avez mis à mal le régime de la Sainte Ouattara, le chef de l'État, eh bien, c'est vous qui avez été amené au pouvoir. Et comptez-vous sur vous, qui est ses frères, qui est ses parents, qui l'avait envoyé au pouvoir, c'est chez vous il a adossé et aujourd'hui vous avez détruit toute son image. Aujourd'hui il se sent seul, il est à la maison, il reste seul avec son épouse Dominique Ouattara. Parce qu'il ne peut pas concevoir que ses propres frères qui l'ont envoyé au pouvoir puissent aujourd'hui demander de l'argent pour qu'à coup de l'argent il mette à mal son travail, jusqu'à il salisse son image. Vraiment, je vous jure qu'il a été tellement choqué. Moi, je vous dis, je soigne des gens au tout chef de l'État. Il est très choqué. Il est vraiment. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il est déçu de ses parents, quoi. Parce que ça, je vous dis, hein, on va le rendre Babo. Tous ceux qui ont supporté Laurent Gbagbo le faisaient vraiment de cœur et de joie. Même Gbagbo aujourd'hui, il est en prison là. Il n'y a pas quelqu'un qui ne soutient pas Gbagbo. Tous ceux qui soutiennent Gbagbo sont encore là. Il ne donne rien, mais ils le font avec amour. Gars, vous qui avez envoyé la salle d'avoir au pouvoir, vous le faisiez pour de l'argent. J'étais dit aux gendarmes que leur réaction est normale. Leur réaction est légitime. Mais j'étais allé dire, ça, ce qu'ils sont en train de faire là. C'était dans les accords de Ouaga de 2007. En 2007, il y avait les gens recrutés par Solo Guillaume dans le cadre de MPCI, FRCI, la MPCI, et puis les gens recrutés par Laurent Gbagbo, on devait les payer. Donc c'était 8000 personnes, c'était 5000. Et après, il y a eu des rajouts à Sainte Ouattara qui voulait bien faire, à fait 8000. Et c'est ceux-là qu'on doit payer depuis 2007 qui n'ont pas été payés. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. Je n'ai pas dit que votre réaction est mauvaise, votre réaction elle est bonne, mais vraiment ce n'était pas la gendarmerie, quoi. Parce que la gendarmerie, c'est un corps d'élite. C'est un corps que moi je respecte. C'est la police militaire. C'est-à-dire dans un camp militaire, quand un gendarme passe, vraiment le militaire reste tranquille, quoi. Bon, quand j'ai vu que c'est les gendarmes qui étaient dehors qui tiraient, j'ai dit, ah, ça c'est que les gendarmeries ça. C'est pas la gendarmerie que moi je connais là, c'est pas cette gendarmerie là. Mais votre réaction est normale, mais je dis, mettons balle à terre. Et puis interpeller le DG de la police pour lui dire, au même titre que les petits militaires m'avaient interpellé à Yopougon, Kate, Maroc, il y a des policiers qui m'appellent, qui ne sont pas du tout contents parce qu'il y a un document qui avait été remis, donc, après une étude qu'on devait mettre en place, qui n'est plus mis en place. C'est-à-dire, ils exigent deux corps. Moi, je me rappelle, il y a eu une réunion à Daoukro pour faire les deux corps. Ça n'a pas été fait. Ok. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le loyer des policiers qui n'est pas payé. Ce n'est pas bien. Et puis, ça veut dire ce qui est choquant, c'est que les responsables de la police s'étaient là-dessus. Vous travaillez avec des éléments qui sont mal logés, qui sont mal payés, qui payent les loyers. Vous ne dites rien. Et demain, quand ça s'est gâté, vous allez dire sanctionner les gens. Arrêtez de faire sanctionner les gens parce que vous-même, vous bénéficiez assez de l'État. Mais faites aussi aider ces jeunes enfants qui vous suivent. Émergence, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire doit 22 mois de loyer et sur peut-être des maisons de bailler de la police. Mais sur les 22 mois, il faut dire qu'à Sainte-Ouattara, lui, doit 7 mois.
il doit 5 mois. Et il y a 17 mois que doit l'origine de Laurent Gbagbo. Gbagbo en partant, il devait 17 mois. À la fin qu'il est venu, il a payé de la réduction, il avait 5 mois. Donc lui, à la fin Ouattara, son régime, il doit 5 mois. Gbagbo devait 17 mois. Mais comme l'administration est une continuité, on ne peut que dire qu'Alassane doit 22 mois de loyer impayé au niveau de la police. Payez-les! Émergence, émergence, je vois dans les journaux, oui, on va faire un dépistage de cancer des cols de l'utérus pour la police nationale. On n'a pas demandé de faire dépistage des cols de l'utérus pour les policiers. On dit, payez les loyers, ils vont être respectés un peu. Et c'est ce qu'on vous demande. Faites-le, c'est très important. Si on demande aux policiers, si vous estimez que vos patrons ne vous écoutent pas, il y a des gens dont moi je me permets souvent de vous dire, appelez-les. Faites un courrier adressé à Ibrahim, photocopie, que le chef de la chambre Ouattara, je vous dis et je vous juge. Et il va vous faire appeler par son dircam. Si vous écrivez aujourd'hui, vous donnez 5 jours, il va vous appeler. Parce que c'est un monsieur qui reçoit tous les coups de fil et qui répond normalement. Appelez tous les mandous qui est un jeune. Moi, je vous donne des pistes. Hein. Voilà, appelez AMS, ils vont vous recevoir. C'est des personnes que je connais. Ces personnes que moi je sais que si vous envoyez un message, ils vont transmettre au chef d'État, vous avez une solution. Il faut éviter de se répandre en ville, de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai mal. Émergence, émergence, on a grandi le pays, depuis la Côte d'Ivoire est fendable, la Côte d'Ivoire respecte le monde entier. Et aujourd'hui on a détruit l'image du pays pour des miettes. Mais on peut revendiquer d'une autre manière. Si cette fois-ci-là, ça a été tardé, c'est dû aux chefs militaires qui ont mal fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement l'argent qu'ils ne pensent qu'à eux seuls et à leur famille. Ils ne pensent pas aux enfants qui les suivent. Alors que quand il y a des problèmes, c'est les enfants qu'on a sur le terrain. Moi, j'ai fait un voyage pendant le référendum de Odiené jusqu'à Abidjan. Je suis venu avec des jeunes militaires. Ils se sont plaints jusqu'à ce que je m'arrive à Abidjan. J'ai foutu la vérité, je n'ai pas dit leur nom parce que je sais. Ils sont pleins jusqu'à Abidjan ici. Mais c'était dangereux. C'était dangereux. C'est pour le café, il y a des problèmes qui ne plaît pas. Bon, mais ça ne plaît pas. Mais il faut simplement informer les chefs hiérarchiques pour qu'ils apprennent cela. Pour que cela puisse s'arrêter. Émergence, émergence, et en même temps, il y a quelque chose qui allait m'échapper. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que je vous dise, la Côte d'Ivoire n'a pas une armée républicaine. Non, ça je vous dis. Nous avons trois types d'armées qui sont dans une armée qui en fait n'existe pas. C'est une armée personnifiée, c'est une armée de leaders. C'est-à-dire nous avons par exemple, dans le groupe des militaires de l'armée en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de militaires qui aime Alassane Ouattara, qui se reconnaît à lui, qui le respecte et qui l'aime. Mais il y a un autre groupe aussi qui aime bien sur le Guillaume. Parce que sur le Guillaume, si on veut voir les trois quarts de l'armée de Côte d'Ivoire, ou alors la moitié même, à partir de sur le Guillaume, parce que c'est lui qui est avec eux. Et il y a une partie qui est pour Laurent Gbagbo. Donc nous avons trois entités. Et ces trois entités, ce n'est pas une armée républicaine. Chacun regarde ses impulsions, chacun passe à son leader. Donc nous avons trois groupes. C'est-à-dire nous avons l'armée qui reconnaît son favori Guillaume, un groupe qui reconnaît Gbagbo Laurent, et un groupe qui n'aime pas beaucoup, qui croit bien à la Alassane Ouattara. Voilà trois types d'armées que nous avons au sein de notre armée. Ainsi pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'a pas une armée républicaine, une armée unifiée, une armée qui parle le même langage, mais une armée divisée politiquement par des leaders. Émergence, émergence, puis Dieu chef de l'État, fais attention à tous ceux qui t'entourent. Ils ne les connaissent même pas. Nous on les connaît, on les voit, mais on ne dit rien. On te regarde. J'ai toujours dit, Alassane veut faire un beau travail, mais il a un mauvais coaching. Parce qu'il travaille avec des fausses personnes et le RDR n'est plus un parti politique, c'est un petit club d'amis qui ne passe qu'à son intérêt personnel. Bon attendeur, à la prochaine. Émergence, émergence.